Salut à tous, c'est Kiwi, de retour sur Unturned pour un mini épisode bonus de notre survie sur la map Yukon en difficile. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un maximum de commentaires. Voilà, cette fois-ci, les petits amis, c'est vraiment la dernière vidéo. On ne reviendra plus jamais sur cette map. On va partir, voilà, on va quitter cette maison et on va regagner le tunnel que vous pouvez voir exactement là-bas au loin avec la voiture, car voilà, on va partir pour peut-être de nouvelles aventures ou peut-être pas. En tout cas, nous quittons cette région enneigée. Donc pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a ramassé au cours de ces lives et de ces petites vidéos offline que je n'ai pas tournées. Bref, voilà, j'ai fait pas mal de petits trucs à droite à gauche. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé en commentaire ou autre. C'était vraiment très très cool de votre part. Donc là, mes armoires près de mon lit sont complètement vides, sauf ce petit meuble. Là, vous voyez que j'ai pu stocker quelques trucs sympathiques. Au niveau explosif, voilà tout ce que j'ai ramassé tout au long de ce let's play. Des charges de C4, des grenades et un petit détonateur. Une petite arme, hein, lootée sur des zombies. Il me semble que j'en ai même trouvé deux ou trois, mais j'ai décrafté les autres. Des Swiss Guire. Petite armoire full de médicaments. J'ai 1200 points d'expérience là-dedans. Là-dedans aussi, c'est complètement full. Quelques flèches que j'avais stockées. Viper Magazine que j'ai stocké aussi. D'ailleurs, on va laisser ces armes-là. Enfin, voilà, ces petits chargeurs-là. Là. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là-dedans, quelques clous. Ça me servait à faire mes flèches. Là, un scotch. D'ailleurs, le scotch, il a rien à faire là. Hop, on va le mettre avec les autres scotch ici. Mais de toute façon, c'est vraiment un détail. Hein, car on n'y reviendra plus. Il y a une petite mine, des petites colles, des trucs comme ça. Bon, du petit matériel qui m'a servi à faire pas mal de bricolage. Les petites plantes, là, voilà, que j'ai démultipliées au fur et à mesure des différentes vidéos et lives. Les bidons d'eau qui ne m'ont servi à rien sur cette map, car il ne pleut jamais sur Yukon. Voilà, donc ça, c'est vraiment dommage. Des petites cordes en réserve, c'était pour démultiplier mes plantes, mais là, ça ne me sert plus à rien. Des petites baies, d'ailleurs, on va en prendre pour la route. Tac, tac, voilà, quelques laitues, quelques baies. Car si on revient sur une autre map, on aura exactement ce qu'on a lorsqu'on quitte, en quittant celle-ci. Le petit four, les frigos qui sont complètement vides. Il n'y en avait qu'un où on avait réussi à faire quelques BLT sandwich. Et ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. D'ailleurs, il me semble que je pouvais encore en faire un avec, avec cette petite viande là. sinon. Je m'étais trompé dans la vidéo précédente lorsque je vous ai dit que on ne pouvait pas trouver de filtre. J'en ai trouvé un. Et le masque à gaz, après notre petite visite dans la zone irradiée, petit masque à gaz là. Tac. Petit masque à gaz un petit peu usé, il me semble. Il n'est pas complètement full, hein. Il doit être, je crois qu'il doit rester, je sais pas, attendez. On va est-ce qu'on peut swap? Ouais, on peut swap. On est à combien? On est à 70% sur le masque à gaz. 70%. Swap, voilà. On va récupérer ça, c'est très important. Du coup, la petite tenue de rechange ici. Ça, c'est très cool. Et là, on s'était trouvé sur cet endroit de la map. Attendez, hop, je me trompe. Ici, une petite tourelle avec une petite maison. Avec des gardes forestiers, vous savez, un peu comme ceux qu'il y a sur la carte PEI, en plein milieu, là, sur l'île de la prison. Du coup, petit à petit, à force d'y faire nos allers-retours, là, eh ben, on a trouvé cette petite tenue entière. Voilà, tous ceux qu'on a trouvé en double ou en triple, on les a décraft. Allez, on va faire swap close. Voilà, c'est parfait. Du coup, on s'est habillé
pour partir, à la fois chaudement, mais pas trop. Les Alice Pack, j'en avais un, j'en avais trouvé un autre lors d'affrontements contre un méga zombie. Le Blunt Force qu'on va prendre, on va laisser notre arme ici. Le Blunt Force, c'est important. La tronçonneuse, les petits amis, je sais pas si on la garde. Est-ce que c'est de la triche? Est-ce qu'on prendrait pas plutôt notre Viper? Ouais, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On va pas faire ça. On ne va pas prendre notre Viper si jamais on arrive sur une nouvelle map. Mieux vaut garder notre tronçonneuse. Ça sera toujours beaucoup plus utile. Petite boussole qu'on va garder. GPS qu'on va garder. Ça, c'est très important. Et voilà. Mais je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, hein, au niveau de l'extérieur. Notre petite extraction d'essence se remplit petit à petit. Nous, on peut faire le plein du véhicule là qu'on avait changé. Hein. On en avait un bleu. On a fini par en avoir un blanc. Plus adapté à ce climat enneigé. Je préfère. C'était vraiment un petit caprice, hein, souvenez-vous. Souvenez-vous que des petits caprices, j'en avais de temps en temps. On repose ça. On va fermer ceci. Sinon, regardez ce qu'il y a à l'extérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on était allé chercher notre hélicoptère. Très utile. Très sympa. Enfin, très utile. Non, carrément pas en fait. Il ne nous a servi strictement à rien. Toujours peur de sortir lorsqu'il y avait la tempête ou autre. Surtout qu'on a failli se crasher, souvenez-vous, lorsqu'on l'a décollé. Compliqué, j'avais oublié les touches et j'ai eu peur de mourir à plusieurs reprises. Voilà, on s'était. Oui, j'avais oublié. Lorsqu'on est allé se promener dans la zone irradiée, on s'est rendu compte que tout en bas des télésièges en panne est complètement défoncé. On avait comme ça, les uns derrière les autres, quatre gros véhicules de neige énormes. Coller les uns aux autres. Alors je ne sais pas si c'était un bug ou à force de détruire les autres véhicules, comme je vous l'avais dit, hein, tout autour de cette carte-là, ils ont fini par pop les uns derrière les autres. Du coup j'en ai ramené un deuxième. Voilà. Donc on va se laisser là. Dernier petit tour de la maison pour dire au revoir. Voilà. On a quand même chopé pas mal de choses, hein. Dans ce let's play, c'est plutôt cool. Voilà la petite horloge. Tout ça qui va bien. Allez, on va descendre par là. On va prendre notre véhicule et on va se dire au revoir. Et si jamais on a à revenir sur ce jeu, eh bien on reviendra avec tout ce stuff avec lequel on part. Allez, c'est parti. Et donc on ira sur une autre map. Mais je ne vous garantis rien, les petits amis. Cette série n'a pas fait beaucoup de bruit. Elle n'a pas beaucoup fonctionné sur ma chaîne. En même temps, c'est normal. Je ne vous ai pas habitué à ce genre d'épisode et de let's play ou de survie. Vous êtes plutôt là pour les Spider-Man, les jeux de zombies et les GTA-like. Bon, voilà, moi, c'était un hommage. Un gros clin d'œil à tous ceux que j'ai croisés lorsque j'ai joué à ce jeu il y a quelques années. C'était important pour moi de refaire Yukon. En mode difficile dans la neige, hein, enfin voilà quoi, dans cette survie complètement abusée, un peu plus abusée que les autres maps, hein, parce que les autres maps il n'y a pas ce froid hivernal et du coup c'est beaucoup plus facile. Et du coup voilà, je me rappelle l'avoir déjà fait avec Strat et c'était plutôt cool. Bon, allez, on décolle et normalement on peut pas partir par là. On peut pas partir par là. Le tunnel est bloqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'autre côté. On va partir de l'autre côté, les petits amis. Et dès qu'on arrivera au tunnel, bloqué ou pas, eh bien, on considérera qu'on traverse ce tunnel. Allez. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je m'en vais vers d'autres contrées. On va quand même faire
le trajet hein, jusqu'au bord de map, ce serait bien. Avec notre petit véhicule là, tranquillou. On a des caribous encore sur le côté. On va passer devant la station essence. On va passer pas loin des télésièges en panne là. Dire qu'on était juste à côté. Ah, je vais avoir un accident avant de finir ce let's play définitivement. Les petits zombies, au revoir. Et vous m'avez fait perdre un peu de vie juste avant de partir. Allez, sur ce, les petits amis, je vous dis à la prochaine. Peut-être qu'on se reverra sur ce jeu, peut-être pas. En tout cas, c'était bien cool. Je valide cette survie. Check, c'est coché. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye. Tout.